demande d'où elle sort tout son argent. Bonjour, ma petite. Un honnête homme. Vraiment rien d'une mégère. Excusez-moi, madame. Thank you.
Je vous suis grandement reconnaissant, mademoiselle de Grandpré. Mais comment diable avez-vous... Oh, peu importe. Dites à votre père que son aide lui fera bénéficier d'une remise assez considérable. Monsieur, il n'y a désormais plus lieu de s'inquiéter. La cargaison sera livrée en temps et en heure. Grâce en soit rendue à Saint-Nicolas. Ou peut-être à un ange gardien, monsieur. Ah, Aveline. Je suis sûr que tu n'es pas là pour tenir compagnie à ton vieux père. Je vous laisse discuter de vos affaires. Aveline, les documents que tu as trouvés à bord du navire de Sgredin, j'y ai reconnu le nom de... Raphaël Joaquin de Ferrer, l'un de nos ennemis. J'ignore ce qu'il manigance ici, mais il est certain qu'il ne s'agit pas d'un simple larcin. Que puis-je faire ? Un informateur d'Agathe nous a appris que de Ferrer allait se rendre à une réception organisée chez le gouverneur ce soir. Je sortirai ma plus belle robe, ou la plus laide. Ne crains rien, Gérald. Je découvrirai ce qu'il fait ici. D'accord, mais en attendant, puis-je suggérer que tu te familiarises avec la demeure du gouverneur, afin de découvrir une manière discrète d'y pénétrer ? Ne t'en fais pas, Gérald. J'ai ma petite idée. Bon, une dernière chose. Il y a une petite maison en vente à proximité de la demeure du gouverneur. Je pense qu'elle ferait un vestiaire idéal. Pourrais-tu te charger de l'acheter ? Vos désirs sont des ordres. Monsieur Blanc.
Bonjour, très cher. Bonjour, madame. Que compte-t-il faire ? Se battre avec un bout de bois ? Que comptes-tu faire ? Te battre avec un bout de bois ? Elle est ici ! Viens là et accepte ton châtiment. Viens là et accepte ton châtiment. Hé, reculez ! Yeah, Miros.
N'oubliez pas, ces marchandises doivent être livrées à l'entrée sud à la tombée de la nuit. Tenez, elle vous permettra d'accéder aux cuisines. Bonjour. Thank you.
là-bas. Tu vas le payer cher. Toi, hey, là-bas, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez, dégage. Toi, là-bas, jamais je t'y reprends. Oh! Petit numéro ne m'impressionne pas. Tu n'as rien à faire ici. Une fois les Espagnols à notre botte, l'agent de la compagnie sera enfin en mesure d'accomplir notre mission. Et si vous nous fournissez la main-d'œuvre, nous nous assurerons de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'à Saint-Domingue. Je ferai tout mon possible pour faciliter la passation de pouvoir. Et si vous tenez votre promesse,
Vous disposerez de tous les travailleurs nécessaires. La main-d'œuvre est rare en cette période. Vous comprenez, je dois rester gouverneur. Mais si notre arrangement venait à être découvert... Allons, allons, gouverneur. J'ai bien peur que ces rumeurs de conspiration ne vous soient montées à la tête. Nous honorerons notre promesse si vous respectez notre marché. Nous maîtrisons la situation. Faites-moi confiance. Bueno. Dans ce cas, je m'en vais de ce pas profiter de votre délicieuse soirée. Buvons à l'anéantissement de la confrérie. Vous alliez sacrifier l'avenir de la colonie aux intérêts des Templiers, gouverneur. C'est à vous de répondre à cette question. L'Ordre incarne l'avenir. Les Templiers feront en sorte que la colonie reste française. Les Templiers n'œuvrent que pour leurs intérêts. Pourquoi de Ferrer a-t-il besoin de main-d'œuvre? Rachetez votre âme et révélez-moi ses plans. J'ignore ce qu'il manigance. Je devais lui envoyer esclaves et vagabonds, ceux qui n'auraient pas hésité à s'élever contre... Contre ceux qui résistent à l'oppression et revendiquent leur droit à la liberté. Reposez en paix, gouverneur.
Mon élève,
Le nid de frelons s'agite. J'ai gagné un lieu sûr pour mieux les observer avant de frapper. Je requiers ton assistance. Utilise tes dons pour suivre mes traces. Que les Iwa hâtent tes pas.